Les sirènes hurlent sans fin sur Varsovie. Par tous ses canons, la DCA tire désespérément, mais le ciel appartient aux jeunes aviateurs de la Luftwaffe qui, pour la première fois, jettent leurs bombes sur des êtres humains. Ce sont des vieillards, des femmes, des enfants, qu'importe, puisque dès sa première minute, la guerre doit être totale. Il y a les forts qui doivent dominer, il y a les faibles qui doivent subir. Il y a la race des seigneurs et il y a les Untermenschen. Ah, les enseignements de Guernica n'ont pas été inutiles. D'emblée, la guerre est totale. Derrière les blindés qui roulent déjà pour écraser les soldats, les noires escouades de la police politique se mettent en mouvement pour exterminer tous ceux qui relèveront la tête après la conquête, tous ceux qui ont le malheur de ne pas appartenir à la race des seigneurs. Guerre totale contre les corps, mais aussi contre les esprits que martèlent et façonnent les propagandes. Ordre nouveau, croisade des démocraties, dictature du prolétariat, voilà les conceptions du monde qui font éclater les frontières nationales, qui érigent les nouvelles barricades. Toutes les nations seront broyées dans le creuset des camps de concentration. Quelques nationaux socialistes venus de toute l'Europe lutteront à mort contre le bolchevisme. Les communistes du monde entier sentiront leur puissance dans les triomphes de l'armée rouge. Des Italiens, des Allemands donneront leur vie, leur science, pour la démocratie ou le communisme. Entre les régimes adverses, les fraternités ne seront jamais que provisoires, si bien que le monstrueux point final qui s'élèvera dans le ciel d'Hiroshima ne sera, hélas, qu'un point d'interrogation. Qui est responsable de cette guerre? Qui a mis délibérément le feu au monde entier, déchaîné tant de haine et de massacres, suscité tant d'héroïsme et de sacrifices dans tous les camps? Un obscur caporal de la Grande Guerre, un agitateur de brasserie, l'auteur de Mein Kampf, un orateur qui soulève les foules par sa présence, sa voix rauque, son magnétisme, en un mot, Adolf Hitler, devenu le maître absolu de 90 millions de sujets fanatiques ou soumis. Mein ganzes Leben gehört von jetzt ab erst recht meinem Volk. Ich will nichts anderes jetzt sein als der erste Soldat des Deutschen Reiches. Et la patrie de Beethoven, de Mozart, de Bach chante maintenant religieusement du Horst Wessel. Choisi l'heure, car malgré tous les avertissements venus de tous les bords, de Poincaré, de Maurras, de Gabriel Péri, de Paul Reynaud,
de Winston Churchill, les démocraties occidentales ont sans cesse voulu croire que la paix était possible. Mais la France s'est vue interdire par ses alliés de prendre l'Allemagne à la gorge après la victoire de 1918. Et elle se repose sur les milliards engloutis pour édifier une ligne Maginot incomplète et sur le prestige d'une armée sclérosée dans sa victoire. Il a fallu abandonner tous les gages l'un après l'autre et évacuer la Roure, laisser les dettes de guerre se perdre dans la paperasse, mettre fin prématurément à l'occupation en Allemagne. En 1932, on a même reconnu l'égalité des droits en armement à la République de Hindenburg. Mais tout cela n'a pas empêché la mystique de la revanche, la poussée de la misère et du chômage et le déchaînement raciste de porter les nazis au pouvoir le 30 janvier 1933. Chut ! Chut ! Chut ! Incendie du Reichstag, élection faussée, camp de concentration, transforme vite en dictature absolue le pouvoir du chancelier Hitler. Pendant ce temps, la France est en pleine grise. Des scandaleux méandres de l'affaire Stavisky naît l'émeute du 6 février 1934. Mais le bon Gaston Doumergue endort et rassure. Allô ? Allô, allô ? Allô, allô, James ? Quelle nouvelle ! Absente depuis 15 jours, au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour ? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise qu'on déplore un tout petit rien. Quoi donc ? Un incident. Ah bon ? Une bêtise. Oh. La mort de votre jument grise. Ah. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Hitler brime les Juifs et chasse Einstein. Goebbels brûle les livres. Göring fait massacrer Röhm et le général Schleicher. Le chancelier Dollfuss est assassiné. À la mort de Hindenburg, Hitler devient le Reichsführer, puis un plébiscite triomphal lui rend la Sarre. La Wehrmacht est créée, le service militaire rétabli. Chut ! Chut ! Chut ! Les timides sanctions de la SDN n'empêche pas Mussolini de conquérir l'Éthiopie, mais le rapproche d'Hitler. Alors, le 7 mars 1936, c'est la dénonciation des accords de Locarno. L'armée allemande revient sur la rive gauche du Rhin. Nous ne laisserons pas Strasbourg sous le feu des canons allemands, proclame Albert Sarraut. Bah, pourquoi pas? Allô, allô, James, quelle nouvelle ! Ma jument grise morte aujourd'hui, oh ! Expliquez-moi, valet fidèle, comment cela s'est-il produit ? Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mes écuries ? Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Les grèves et les occupations d'usines succèdent à la victoire électorale du Front populaire. Le gouvernement de Léon Blum promulgue des lois sociales. Et, tandis que les Français vont connaître leur premier congé payé, l'Espagne sombre dans la guerre civile. C'est une guerre sans pitié, où les plus nobles héroïsmes côtoient les plus atroces cruautés. Dans le camp des cadets de l'Alcazar se trouvent les massacreurs de Badajoz, dans celui des miliciens de Madrid, les bourreaux d'Albacete. La Légion Condor anéantit Guernica, les anarchistes déterrent les carmélites. L'aide italienne et allemande ne manque pas à Franco, tandis que démocrates et communistes affluent dans les brigades internationales. Au printemps de 1938, les nationalistes ont coupé en deux l'Espagne républicaine. Alors, les miliciens tentent un dernier effort sur l'Ebre.
Majorat. Il ne se prend pas chez Majorat. Pour une apparition des yeux, aïe Carmela, aïe Carmela. Pour une apparition des yeux, aïe Carmela, aïe Carmela. Le scroll de los traidores. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombar, pero nada pueden bombar. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela. L'Espagne saigne et brûle. Un autre foyer d'incendie est né en 1937 quand les Japonais ont commencé une interminable conquête de la Chine. Et au mois de mars 1938, Hitler réalise par l'intimidation la réunion de l'Autriche à l'Allemagne, cet Anschluss que des siècles de diplomatie française s'étaient donné pour but d'empêcher à tout prix. Chute ! Chute ! Chute ! On s'est tout de même bien amusé à l'exposition de 1937, où se narguaient les colosses allemands et russes. Et Charles Trenet chante « Il y a de la joie ». Les ministères défilent. Il y a justement une crise le jour de l'Anschluss. Pourquoi faut-il que les mauvaises nouvelles se succèdent ? Allô, allô, James, quelle nouvelle! Mes écuries ont donc brûlé! Expliquez-moi, valet modèle, comment cela s'est-il passé? Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Oh, mon Dieu! Si l'écurie brûle à madame, c'est que le château était en flammes. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Mon château en flammes, mon Dieu, mon Dieu, allons, allons. Enveloppée dans sa coque de montagne, la Tchécoslovaquie se trouve maintenant enfoncée dans les mâchoires de la grande Allemagne. Et ces montagnes sont peuplées d'Allemands qui, depuis 20 ans, supportent mal d'être soumis aux Tchèques. Que répondre quand Hitler invoque le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? Mais, privée de ses frontières naturelles, la Tchécoslovaquie, pièce maîtresse de la petite entente, est désarmée. Si l'on abandonne Prague, 20 ans de diplomatie française achèvent de sombrer dans le néant. Une grande partie de l'opinion pousse donc à la fermeté le président Daladier. La décision finale revient à la Grande-Bretagne et à son premier ministre, Sir Neville Chamberlain. La cause lui semble mauvaise et le moment mal choisi pour risquer la guerre. Les États-Unis ne peuvent s'engager avant l'élection présidentielle de novembre 1940. L'URSS est dans l'impossibilité géographique d'agir. La Pologne est hostile. Le réarmement britannique n'en est qu'au prototype d'avions qui sortiront en 1940. La France est-elle prête ? Pas même. Elle n'a pas d'armée de l'air. Dans ces conditions, il faut gagner du temps. Chamberlain prend l'avion et va voir Hitler dans son lit d'aigle de Berchtesgaden. Le spectacle du vieux gentleman, flanqué de son parapluie, passant devant les géants SS de la garde du Führer, frappe les imaginations. Le parapluie de Chamberlain devient légendaire. On a dansé des pas toujours nouveaux, des rumba, des pines. La conga, le foxtrot et des tangos qui venaient d'Argentine. Mais aujourd'hui, tout ça c'est fini. Nous avons compris, c'est trop vieux jeu. Et nous avons beaucoup mieux.
prenez un parapluie pour danser la chamberlaine, puis au bras d'un de vos amis, vous le suspendez en peine. À cet instant, le copain vous confie sa cavalière, puis à son tour, il va faire un tour avec le pépin. Ce n'est pas très compliqué, il ne faut pas que ça vous surprenne. Il vous suffit d'essayer pour bien savoir la danser. Si vous avez bien compris, pas besoin qu'on vous l'apprenne. Pour danser la chamberlaine, il ne faut qu'un parapluie vraiment. C'est bien charmant, la chamberlaine. Faites bonne choix, soyez adroit. Un, deux, trois. Ce n'est pas la paix qui sort d'une nouvelle entrevue à Gottesberg, mais un raidissement des positions. De part et d'autre, on mobilise au moins partiellement, et la guerre paraît inévitable à la date du 1er octobre, jetée publiquement par Hitler. Au dernier moment, une médiation lancée par Bonnet et Roosevelt aboutit. Les quatre principaux chefs de gouvernement d'Europe se réunissent à Munich, sans convier l'URSS ni la Tchécoslovaquie. La paix est sauvée par la satisfaction totale des exigences allemandes. La paix est sauvée, c'est tout ce que veulent voir les foules énormes qui acclament Chamberlain et Daladier à leur retour. On ne connaît que trop le prix affreux de la guerre et les déceptions qu'elle apporte aux vainqueurs eux-mêmes. La paix est sauvée, mais à quel prix ? Demandent les rares adversaires des accords de Munich. Vous avez voulu sauver la paix au prix du déshonneur, vous avez le déshonneur et vous aurez quand même la guerre, déclare Churchill, mais les communes approuvent Chamberlain. À la Chambre française, Daladier ne rencontre que 75 opposants, dont deux seulement ne sont pas communistes. Parmi ces deux, Henri de Kérillis, dont les lecteurs peuvent retrouver l'intervention à la tribune. Cette paix consacre le triomphe d'Hitler. Cette paix fait du Troisième Reich un empire colossal qui va établir désormais par étapes foudroyantes son hégémonie sur l'Europe. Je sais bien qu'il y a parmi vous des hommes pénétrés de patriotisme qui espèrent que la France pourra vivre fière, heureuse et libre à côté de cette nouvelle et gigantesque Allemagne. Je souhaite que ces hommes aient raison. Je souhaite de tout mon être me tromper quand je vais vous dire non, n'espérez pas. L'Allemagne est insatiable, impitoyable devant les faibles. Et vous venez de montrer que vous étiez faible. L'Allemagne ne respecte que les forts. Vous croyez qu'elle va devenir tranquille et pacifique, et moi je crois qu'elle va devenir exigeante et terrible. La politique de Munich n'a jamais été autre chose qu'un recul stratégique, avec l'espoir que l'inévitable agression allemande débuterait contre l'Est. C'est bien ainsi que Hitler l'entend, et il propose à la Pologne une alliance contre la Russie, accompagnée d'un arrangement sur Danzig. Les militaires au pouvoir à Varsovie haïssent les soviets, mais refusent de lâcher Danzig. Puisqu'il devient impossible d'attaquer l'URSS, le mieux n'est-il pas de s'entendre avec elle pour un nouveau partage de la Pologne. Il suffit de rassurer Staline, logiquement inquiet de ce que sous-entend Munich. Il faut piétiner l'accord, gifler les signataires occidentaux. Il y a une façon éclatante de le faire, occuper Prague, ce que fait Hitler le 15 mars 39. Allô, allô, James, quelle nouvelle ! Notre château est donc détruit. Expliquez-moi, car je chancelle. Comment cela s'est-il produit ? Eh bien voilà, madame la marquise, apprenant qu'il est ruiné. Cette fois, il faut bien se rendre à l'évidence, la guerre européenne est virtuellement commencée. Contre le pacte d'acier de l'axe Rome-Berlin, le front des démocraties,
tentent de s'édifier, mais seuls les Polonais et les Turcs s'y joignent. En Albanie, les Italiens ont pris pied dans les Balkans. On peut redouter l'attitude que prendrait l'Espagne, où Franco vient de triompher. Il est bien difficile de négocier avec l'URSS, malgré l'hostilité polonaise, une alliance sans objet. On ne s'y résout que pour la forme, et les pourparlers traînent lamentablement. Et pendant ce temps, la propagande allemande se déchaîne contre la Pologne. Le 21 août, éclate le coup de tonnerre, la collusion germano-russe devient publique, et il n'est besoin à von Ribbentrop que de paraître à Moscou pour serrer cordialement la main de Staline. On veut encore parler de guerre des nerfs, mais qui peut douter que c'est maintenant la guerre tout court. Hitler a démontré à tous les Occidentaux qu'il était vain de traiter avec lui. On a toléré la Rhénanie, l'Autriche, on a accepté les Sudètes, il y a eu Prague, et maintenant c'est le tour de Danzig. Alors, demain, Strasbourg, c'est avec résignation que les Français répondent au rappel de réservistes, alors que déjà la Wehrmacht se concentre. Le soir du 31 août est celui de la mise en scène ultime. Au moment où les postes allemands annoncent le refus par Varsovie de toute négociation raisonnable, des SS déguisés en soldats polonais simulent une attaque en territoire allemand. Cela permettra à Hitler de proclamer devant le Reichstag le lendemain « Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen. » Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Depuis 5h45, c'est donc la guerre en Pologne. Daladier proclame aussitôt la mobilisation générale. Le 3 septembre, la Grande-Bretagne à 11h et la France à 17h entrent en guerre. Mais il ne se passe rien sur la frontière franco-allemande, tandis que la presque totalité de l'armée du Reich écrase en quelques jours la Pologne. Tenaillée entre la Silésie et la Prusse orientale, une armée polonaise désuète et mal commandée dépense en vain des trésors d'héroïsme. La Luftwaffe domine le ciel. Les rugissants Stuka plongent sans fin sur les gares, les usines, les colonnes de troupes, tandis que les Panzers se rencontrent avec des charges de lanciers. En 15 jours, il n'y a plus d'armée polonaise, sauf des tronçons encerclés, luttant sans espoir. Varsovie est assiégée, affamée, bombardé avant de se rendre. Le gouvernement polonais s'est réfugié en Roumanie pour y disparaître à jamais. Les Russes viennent alors saisir la part que leur réserve l'accord secret de Moscou et on fraternise à Brest-Litovsk sur le cadavre de la Pologne. Qu'a fait la France pendant ce temps? Elle a tranquillement fignolé sa mobilisation à l'abri de l'imprenable ligne Maginot. On a appelé tout le monde sous l'uniforme pour jouer à la belote. Le colonel était dans la finance, le commandant était dans l'industrie, le capitaine était dans l'assurance, et le lieutenant était dans l'épicerie. Le juteux était huissier de la Banque de France, le sergent était boulanger pâtissier, le caporal était dans l'ignorance, et deuxième classe était rentier. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Ils n'en avaient plus l'habitude, mais tout comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, pour les gosses qui ont leur certificat d'études, et tous ces braves gens sont partis chez moi pour faire tout comme jadis ce que leurs pères ont fait pour leurs fils. Dieu de mort!
Maurice Jaubert, qui composa ce psaume, n'a plus que quelques mois à vivre avant de tomber sur le champ de bataille. Les Allemands ont conquis la Pologne, où commence dans les ruines le règne de la terreur, mais les Français ne connaissent encore de la guerre que quelques combats de corps franc dans le No Man's Land, le blackout, les monuments enfouis sous les sacs de sable, le papier gommé sur les vitres et les évacuations des enfants des grandes villes. La plupart des localités de la frontière Est ont été vidées totalement de leurs habitants. Les soldats s'ennuient dans ce que les civils ont baptisé une drôle de guerre. Drôle ? Disons plutôt étrange. On a, somme toute, échangé une paix inquiète contre la plus quiète des guerres, la plus béate même, comme le proclame la fameuse affiche « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ». Grâce au vieux fer, devenu acier victorieux, il n'y a qu'à attendre, en buvant du vin chaud à l'abri de la ligne Maginot, que le blocus nous permette de cueillir sans effort une Allemagne affamée. Et alors, comme le chantent nos amis britanniques qui prennent le thé quelque part en France, nous pourrons aller pendre notre linge sur la ligne Siegfried. Un homme, cependant, prend très au sérieux une guerre qu'il prévoit longue et pénible. C'est Winston Churchill, devenu premier lord de l'amirauté. Dès le début, les sous-marins allemands se sont manifestés avec vigueur et le paquebot Athenia, le porte-avions Courageous et même le cuirassé Royal Oak, au cœur de la base de Scapa Flow, ont été envoyés par le fond. Mais la flotte de surface allemande ne peut réussir que quelques actions corsaires isolées. La plus spectaculaire se termine par le sabordage du Graf Spee à Montevideo. L'action soviétique à l'est de l'Europe a contraint la Finlande à une difficile guerre défensive qui pose de graves problèmes diplomatiques. Peut-on envisager raisonnablement d'aider la Finlande en faisant la guerre contre l'URSS avec l'alliance turque et la force de l'armée Végan concentrée en Syrie? Ou bien peut-on envoyer, malgré la neutralité scandinave, un corps expéditionnaire directement en Finlande? Avant que ces hésitations n'aient été tranchées, la Finlande a dû mettre bas les armes. Le mécontentement des députés français contre cette inaction générale conduit Daladier à se retirer et Paul Reynaud lui succède. Il signe aussitôt avec la Grande-Bretagne un accord de solidarité totale et on envisage une action en Norvège pour barrer aux Allemands la route permanente du minerai de fer suédois. Mais Hitler devance de peu l'action alliée en envahissant le Danemark et la Norvège le 9 avril 1940. Il surprend par son audace qui lui fait envoyer ses chasseurs de montagne jusque dans le lointain port du minerai de fer, Narvik. Si les alliés ne peuvent rien pour le Danemark, ils tentent de venir en aide à la Norvège, qui a entrepris courageusement la défense de son sol. Mais, vaincu au nord d'Oslo, le corps expéditionnaire est bien vite contraint au rembarquement. Il ne nous reste bientôt que Narvik, enlevé brillamment par les légionnaires et les chasseurs alpins de Bétoir.
cette belle victoire qui coupe la route du fer est rendue inutile par ce qui, au même moment, s'est déroulé en France. Le 10 mai 1940 surprend les Alliés en pleine réorganisation. Churchill devient Premier ministre, succédant à Chamberlain, et le général Gamelin vient de recevoir l'avis de son remplacement, qui est annulé quand on apprend l'attaque allemande. On ne peut dire qu'il y ait la moindre surprise dans la violation délibérée de la neutralité des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg par Hitler. C'est dans le but de répondre à cette nouvelle mouture du plan Schlieffen que Gamelin a concentré ses meilleures troupes dans le Nord, sous les ordres de Billotte. Mais trois éléments vont entraîner notre défaite. Tout d'abord, la maîtrise absolue de l'air que s'assurent les Allemands dès le premier jour, avec leur aviation de chasse et leurs bombardiers en piqué. Le carrousel hallucinant des Stuka sème partout une dévastation précise et une panique diffuse et démoralisante. En second lieu, l'emploi des blindés de Guderian en formation massive, appuyés de près par l'infanterie, triomphe de la vieille conception française d'une infanterie soutenue par des blindés dispersés. Enfin, le point d'application de l'effort principal allemand sur la Meuse, à travers l'Ardenne réputée impénétrable, vient pulvériser entre Namur et Sedan la moins bien équipée des armées françaises. Une poche immense se creuse à la charnière où devait s'articuler le front fixe et fortifié avec le front mobile de l'avance en Belgique. La bataille de la Meuse est déjà perdue et Gamelin a échoué dans le colmatage de la poche quand Winston Churchill prend la parole le 19 mai. I speak to you for the first time as Prime Minister in a solemn hour for the life of our country, of our empire, of our allies, and above all, of the cause of freedom. A tremendous battle is raging in France and Flanders. For myself, I have invincible confidence in the French army and its leaders. I have received from the chiefs of the French Republic, and in particular from its indomitable Prime Minister, Monsieur Reynaud, the most sacred pledges that whatever happens, they will fight to the end, be it bitter or be it glorious. Nay, if we fight to the end, it can only be glorious. Pour tenter de galvaniser l'armée, Paul Reynaud remplace Gamelin par Weygand, rappelé en hâte de Syrie, et fait entrer dans son gouvernement le prestigieux vainqueur de Verdun, le vieux maréchal Pétain. Mais déjà, les armées du Nord sont coupées de toute communication terrestre, et la mort accidentelle de Billotte achève de désorganiser la contre-offensive projetée. Les Britanniques reçoivent l'ordre de se replier sur Dunkerque. Les Belges, submergés et à bout de résistance, doivent capituler. Paul Reynaud tente de rejeter sur leur roi la responsabilité de la défaite. Dans les pires conditions, il faut donc rembarquer à Dunkerque ce qui peut être sauvé, la seule armée instruite des Britanniques et les éléments disloqués des meilleures troupes françaises. Sous une intense bataille aérienne, marins et civils britanniques, marins et soldats français se dépensent sans compter pour y parvenir. Ce qui reste d'une armée française amputée doit aussitôt affronter sur la Somme et l'Aisne l'assaut formidable d'une armée allemande survoltée par ses victoires. Dans cette lutte inégale, les plus héroïques efforts sont insuffisants et le front craque de toutes parts. C'est le moment que choisit Mussolini, le 10 juin, pour entrer en guerre à son tour contre les Alliés. Dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. La
La nostra coscienza è assolutamente tranquilla. Con voi il mondo intero è testimone che l'Italia del Littorio ha fatto quanto era umanamente possibile per evitare la tormenta che sconvolge l'Europa, ma tutto fu vano. Popolo italiano, corri alle armi e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore. Roosevelt stigmatise ce coup de poignard dans le dos de la France, mais c'est la seule aide qu'il peut fournir en réponse à l'appel angoissé de Paul Reynaud au moment où l'armée française se désagrège. Sur les routes, des flots incessants de réfugiés venus de Belgique puis du Nord s'écoulent vers le Sud, gênant les transports militaires. Des trains entiers évacuent les plus dépourvus. Maintenant, la panique gagne de proche en proche tandis que les soldats refluent dans un désordre de plus en plus complet. C'est la déroute militaire et l'exode civil qui mêlent leurs lamentables convois et leurs affreux désarrois. Les fausses nouvelles volent des camions militaires aux voitures des civils couvertes de matelas, des soldats épuisés et sans armes aux civils qui marchent sans fin en poussant leurs maigres richesses dans des charrettes ou des voitures d'enfants. Devant un tel désastre, tout devient suspect. On voit partout des espions, des membres de la cinquième colonne, dévoués à l'ennemi. Et dans le ciel, inexorablement bleu, les avions allemands et italiens tournoient, mitraillent, bombardent. La terreur, la fatigue, la faim, la soif des civils achèvent de démoraliser les soldats. Que peut faire le gouvernement, lui aussi errant, à l'image d'une nation errante? Il est évident que la lutte en France est devenue sans objet. Et le général Weygand insiste pour qu'un terme rapide y soit mis. Faut-il continuer la lutte hors de France, grâce à l'Empire et à la Marine, en étroite union avec la Grande-Bretagne? C'est l'avis de Reynaud, de Mandel, et du nouveau sous-secrétaire d'État à la Défense nationale, le général de Gaulle. Churchill vient à Tours pour soutenir les partisans de la continuation de la lutte contre ceux qui, au sein du gouvernement, se rangent derrière Pétain pour souhaiter un armistice. De toute façon, il est inutile de tenter une défense de Paris qui est proclamée ville ouverte et abandonnée aux Allemands. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der völlige Zusammenbruch der ganzen französischen Front zwischen dem Ärmelkanal und der Maginot-Linie bei Montmédy hat die ursprüngliche Absicht der französischen Führung, die Hauptstadt Frankreichs zu verteidigen, zunichte gemacht. Paris ist infolgedessen zur offenen Stadt erklärt worden. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt. Le gouvernement a gagné Bordeaux et repousse la proposition d'une fusion franco-britannique totale que de Gaulle a obtenue de Churchill. Reynaud démissionne et conseille au président Lebrun
de faire appel au maréchal Pétain. Le 17 juin, tous les Français qui ont encore la possibilité d'écouter la radio entendent l'allocution de leur nouveau président du Conseil. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Il faut cesser le combat, a dit à la légère le maréchal, alors que les négociations sont seulement demandées. De nombreux soldats, déjà démoralisés, mettent bas les armes et se laissent capturer. Mais la guerre continue et des unités encore organisées maintiennent jusqu'au bout leur résistance dans la ligne Maginot, maintenant attaquée et tournée, sur toute la Loire, où les élèves officiers défendent Saumur pour l'honneur et où quelques détachements polonais et garibaldiens se battent avec désespoir. Pendant que la délégation française doit venir s'entendre dicter les conditions de l'armistice par le général Keitel, dans le wagon même de Foch en 1918, le conseiller militaire de Paul Reynaud, de Gaulle, a gagné Londres. Le 18 juin, il lance un appel pour la continuation de la lutte, qu'il renouvelle le 19 et précise encore le 22 juin. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite. Mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Il nous reste les gigantesques possibilités de l'industrie américaine, les mêmes conditions de la guerre qui nous ont fait battre par 5000 avions et 6000 chars peuvent nous donner demain la victoire par 20000 chars et 20000 avions. Cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français
qui veulent rester libres, à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Peu de Français répondront à cet appel dans les premiers mois. La France, en ce début de l'été 40, est plongée dans une hébétude paralysante et fait avec stupeur le bilan de son malheur. La guerre a fait 93 000 morts et 300 000 blessés. Le nombre des prisonniers approche 2 millions. Les 3/5 du territoire sont occupés. La moitié nord, plus la côte de l'Atlantique. Les communications sont précaires. Les ponts ont sauté à tous les passages importants, notamment sur toute la Loire. Des villes comme Dunkerque, Rouen, Orléans ont été incendiées. Entassés dans le sud de la France, 10 millions de réfugiés cherchent un gîte, une nourriture, un gagne-pain, des nouvelles de leur famille. La marine était sortie glorieuse et intacte de la tragédie, mais l'armistice la condamne au désarmement. La plus grande partie de l'escadre de la Méditerranée commence à y procéder en rade de Merzelkébir lorsque, le 3 juillet, une forte escadre anglaise lui enjoint de désobéir au gouvernement. Le refus de l'amiral français est suivi d'un bombardement meurtrier. Plus de 1000 marins sont tués, le Dunkerque coulé. Dans cet assaut fratricide qui sème des germes que la propagande allemande va tenter de faire lever. Car un désarroi moral terrible s'est abattu sur les Français et réveillé brutalement de leur torpeur sur le lit des lauriers de la Grande Guerre. Il y a grande pitié au pays de France.